remarqué que l'on prenait moins. Vacances obligées, et des fois il y a des manques de temps, etc. Quand même, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous souhaitons à tous et à tous une bonne rentrée scolaire. Et donc, pour aller très vite, comme vous l'avez constaté derrière moi, aujourd'hui il est question de travailler sur les procédés rythmiques et les formes poétiques. Alors, concernant les procédés rythmiques, en réalité, vous avez 5 procédés rythmiques. Parmi les 5, nous avons le rejet, le contre-rejet, l'enjambement, nous avons l'assonance et l'allitération. Alors, le pourquoi vous avez constaté ces 3 qui sont présents, le rejet, le contre-rejet et l'enjambement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir ni le rejet, et moins le contre-rejet, et moins l'enjambement, sans pour autant avoir 2 vers successifs, c'est-à-dire vers 1, vers 2, c'est possible, vers 2, vers 3, c'est possible, vers 4, vers 5, c'est possible. Mais si on dit vers 1, vers 3, ces 3 sont impossibles. Il faut que les vers soient successifs. Alors maintenant, on peut aussi avoir l'assonance et l'allitération. Là, on n'a pas besoin d'avoir 2 vers successifs. Pour la seule et simple raison, qu'est-ce que l'allitération? C'est la répétition d'une même consonne dans un vers. Qu'est-ce que l'assonance? La répétition d'une même consonne dans un vers. Autrement dit, concernant l'assonance et l'allitération, on a besoin d'avoir un seul vers. Maintenant, concernant le rejet et le contre-rejet de l'enjambement, comme j'ai dit tantôt, les vers doivent être successifs. La preuve, regardez les deux vers. Ça, il est considéré comme le vers 1, ça, il est considéré comme le vers 2. Maintenant, qu'est-ce que le rejet? Il faut le comprendre sur 3 angles. Un rejet est un élément bref. Un élément bref. Alors, placé au vers au début du vers suivant, on va y revenir, est étroitement lié au vers précédent. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un élément bref? Ça dit que le rejet ne peut pas dépasser 2 mots. C'est 1 ou 2 mots. Qu'est-ce qu'on entend par placer au début du vers suivant? À chaque fois, le rejet doit être placé au niveau du deuxième vers du début. Qu'est-ce qu'on entend lié au vers précédent? C'est-à-dire le vers 2 où se trouve le rejet constitue une continuité ou bien confirme le sens du vers numéro 1. Pour confirmer ce que j'ai dit, si vous prenez les deux vers, c'est extrait du poème de l'homme de Besançon, M. Victor Hugo, l'homme des contemplations, le chef de file du mouvement romantique. Qu'est-ce qu'il nous dit, le vers 1, comment vous nommez-vous? Il me dit, je me nomme, et on s'arrête. La question qu'on se pose, est-ce que nous avons un sens ici? La réponse est non. Parce que logiquement, si on dit je me nomme, on doit avoir le nom, il y a le nom qui attend. Maintenant, pour confirmer le rejet, on a voulu apporter la réponse ou bien la continuité, l'expression aussi, je me nomme le pauvre. Là, vous avez vu que juste après le rejet, obligatoirement, on doit avoir une ponctuation. Elle peut être un point, elle peut être une virgule, point virgule, point d'exclamation, etc. L'essentiel, c'est une ponctuation. C'est une ponctuation de moins. Là, vous soulignez l'élément en question comme je l'ai fait, vous écrivez l'élément et ça devient ce qu'on appelle le rejet. Confirmez que le rejet, c'est l'élément bref, un ou deux mots. Il est toujours placé au début du vers suivant. Après le rejet, on a toujours une ponctuation. Maintenant, quelqu'un qui comprend le rejet comprendra forcément le contre-rejet. Qu'est-ce qu'un contre-rejet? Un contre-rejet n'est rien d'autre qu'un élément bref, placé cette fois-ci à la fin du vers précédent, étroitement lié au vers suivant. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que d'abord, comme le rejet, c'est un ou deux mots. Il ne faut pas dépasser deux mots. S'il dépasse deux mots, ça ne peut pas être ni un contre-rejet comme un rejet. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit avoir? Je ne sais pas, honnêtement. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par la fin du vers? Ça, c'est le premier vers. À chaque fois, avant le contre-rejet, on a une ponctuation. Maintenant, après, c'est lié au deuxième vers, c'est-à-dire le vers suivant. Autrement dit, c'est le deuxième vers qui confirme le sens du premier vers. Alors, maintenant, où se trouve l'élément bref? Il est là. Il est placé à la fin du vers précédent. Où se trouve la liaison avec le vers suivant? Il est comme à cette fleur de la vieillesse. On s'arrête là. Alors, forcément, on pose la question, que fait la vieillesse? Comme à cette fleur, parce qu'on est en train de la comparer. Comme à cette fleur, la vieillesse, et il y a une continuité ici, la vieillesse fera terminer votre beauté. Dans ce cas, vous avez le contre-rejet. Qu'est-ce que vous avez constaté comme j'ai dit tantôt? Quand il s'agit du rejet, vous avez une ponctuation après le rejet. Quand il s'agit du contre-rejet, vous avez une ponctuation avant le contre-rejet. Mais comprenez qu'il y a un dénominateur commun entre les deux. Tous les deux sont des éléments brefs, un ou deux mots. Le rejet, le début du vers suivant. Le contre-rejet, la fin du vers suivant. La griffe présente à moi. Maintenant et enfin, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ce qu'on appelle l'enchaînement. Alors, qu'est-ce que l'enjambement? Souvent, j'entends certains dire que l'enjambement, c'est une continuité du rejet. Mais moi, je ne ris pas avec cette réponse et cette explication. Qu'est-ce que l'enjambement? D'abord, comprenez qu'il y a deux enjambements. Et deuxièmement, l'enjambement n'est pas un élément bref. L'enjambement n'est rien d'autre qu'un élément long.
placé au vers suivant, c'est-à-dire le vers numéro 2, étroitement lié au vers précédent, en débordant jusqu'à la césure ou bien la totalité du vers. Alors si on dit en débordant jusqu'à la césure ou la totalité du vers, la conclusion est que nous avons deux enchaînements continus d'abord. C'est-à-dire si l'enchaînement déborde jusqu'à la césure, ça sous-entend qu'au niveau du deuxième vers, si l'élève est sûr qu'au niveau de la sixième syllabe, il y a une pause et c'est lié au vers précédent, dans ce cas, la moitié du vers deviendra l'enchaînement. La preuve, pour confirmer la liaison et les six syllabes marquées par la ponctuation, Baudelaire dit dans la Matros, souvent pour s'amuser les hommes d'équipage. Qu'est-ce qui se passe? Que font les hommes d'équipage? Les hommes d'équipage, au lieu de continuer ici, on a dit, les hommes d'équipage prennent des Albatros. Vous avez la ponctuation. Maintenant, l'élève, pour être sûr de lui, il doit décomposer ça pour être sûr que c'est 6 syllabes. Si c'est 6 syllabes, automatiquement, c'est la césure de souligner les 6 premiers syllabes. Maintenant, pour confirmer ce que j'ai dit, on va essayer d'appliquer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une syllabe, deux syllabes, trois syllabes, quatre syllabes, cinq syllabes, six syllabes, plus la ponctuation. Maintenant, il faut souligner les six premiers vers, parce que là, il y a une ponctuation. Ça, c'est la moitié du vers, c'est un enchaînement. Mais si jamais l'élève constate qu'il y a une liaison entre les deux vers, qu'il n'y a pas de ponctuation à la sixième syllabe, dans ce cas, il doit souligner tout le vers. Pour confirmer ce que je dis, si vous prenez les deux derniers vers de demi-dialogue, et quand j'arriverai, je mettrai ce tâton. Ça, c'est la réponse. Posez-lui la question, qu'est-ce que vous allez mettre sur l'anneau une fois arrivé? Il revient au niveau du dernier vers, c'est-à-dire le vers suivant, un bouquet de beaux vers et de fleurs en fleurs. De 1 jusqu'à fleurs, on n'a pas une ponctuation. Dans ce cas, il faut souligner la totalité du vers. En bref, ou bien en résumé, ou bien pour récapituler, concernant les pointes rythmiques, si vous avez deux vers qui sont successifs, soit c'est le rejet, soit c'est le point de rejet, soit c'est l'enchaînement. Qu'est-ce que le rejet? C'est un élément bref, placé au début du vers suivant, étroitement lié au vers précédent. Qu'est-ce qu'on compte rejet? Un élément bref, placé à la fin du vers précédent, étroitement lié au vers suivant. Qu'est-ce qu'un enchaînement? C'est un élément long, placé au vers suivant, étroitement lié au vers précédent, en débordant jusqu'à la sixième syllabe, les six premières syllabes, à condition que la sixième syllabe marque une pause, ou bien la totalité du vers, à condition que la sixième syllabe marque une pause. J'ai aussi évoqué deux choses qui font partie de cette famille, l'assonance et l'allitération. Qu'est-ce que l'assonance? La répétition d'une même voyelle dans un vers. Par exemple, si on dit « j'ai la vie, je réussis » et « j'ai pas à sa vie », vous avez contrôlé la présence du « i ». Nous avons une allitération, la répétition d'une même morceau dans un vers. Comme j'ai vu doublé « France mère des arts, des armes et des lois », vous avez contrôlé la présence du « r » et ça devient l'allitération. Maintenant, après les côtés limites, nous avons les formes poétiques. C'est la dernière phase de la versification. Alors, concernant les formes poétiques, il faut les comprendre sur deux angles. Il y a les poèmes à forme fixe et les poèmes à forme libre. Justement, qu'est-ce qu'on entend par un poème à forme fixe? C'est un poème qui respecte les règles de la versification. Qu'est-ce qu'on entend par un poème à forme libre? Ce sont des poèmes qui ne respectent pas les règles de la versification. Parce que concernant les poèmes à forme fixe, il faut les comprendre sur cinq angles. Autrement dit, il y a cinq types de poèmes à forme fixe. Le poème le plus régulier, dont ce qu'on appelle les auteurs utilisent le plus, on appelle le sonnet. Qu'est-ce qu'un sonnet justement? C'est un poème de 14 vers, dont 2 quatrains et 2 vers. Attention, mais il y a deux types de sonnet. Il y a un sonnet régulier et un sonnet irrégulier. Qu'est-ce qu'un sonnet régulier? Un sonnet qui respecte la même disposition des rimes. Qu'est-ce qu'un sonnet irrégulier? C'est un sonnet qui ne respecte pas la même disposition des rimes. Par exemple, le premier quatrain, si les rimes sont suivies, le deuxième, les rimes doivent être suivies. Dans ce cas, nous avons un sonnet régulier. Maintenant, si le premier, les rimes sont suivies, le deuxième, les rimes sont croisées, là, on a un sonnet irrégulier. Après, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le rondo. Qu'est-ce que le rondo? C'est une forme brève. Qu'est-ce qu'une forme brève? Une pointe qui n'est pas longue. C'est une forme brève composée de 8 ou 13 vers. Là, si vous avez 8 ou 13 vers, ne cherchez même pas à comprendre. Vous avez affaire à vos rondos. Mais dans ce cas, on ne constate pas les strophes qui sont séparées par des marges blanches. Non. Des marges blanches de moins. Après, nous avons l'ordre. Qu'est-ce que l'ordre? L'ordre n'est rien d'autre que mon poème lyrique. Divisé en strophes semblables entre elles. Justement, qu'est-ce qu'on entend par un poème lyrique? C'est un poème marqué par la présence de la première personne, comme le cas de demi-dialogue de Victor Hugo. J'irai, je marcherai, je ne puisse demeurer, je viendrai, je mettrai. Maintenant, là vous avez constaté la présence de la première personne.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par diviser en strophes semblables entre elles? Si vous voyez que la première strophe sera un quatrain, toutes les strophes feront des quatrains. Si vous voyez que le premier vers contre deux syllabes, tous les vers contre deux syllabes. Et enfin, vous avez le, comme j'ai dit encore, exemple, vous avez l'humilité de Victor Hugo ou bien tristesse de Moshe Hatzfeld du lycée. Là, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le balade. Le balade, c'est un poème composé de trois strophes. Mais ces strophes peuvent être des huitaines ou des douzaines. Qu'est-ce qu'on entend par un huitain? Une sorte de vivaire, trois fois. Ou bien une douzaine. Qu'est-ce qu'on entend par une douzaine? Vous avez une sorte de douze vers, trois fois. Mais à chaque fois, nous avons ce qu'on appelle des refrains. Voilà. Mais ces refrains sont composés de ce qu'on appelle deux demi-vers de strophes. Qu'est-ce que ça se donne? Si vous avez des douzaines, le premier refrain devient ce qu'on appelle six vers. Si vous avez des huitaines, le refrain devient trois vers. On prend 12, on divise par deux. Ou bien on prend 8, on divise par deux. Si c'est un huitain, c'est quatre vers. Si c'est un douzaine, c'est six vers en réalité. Maintenant, après le balade pour les rythmes, qu'est-ce qu'on en a? Nous avons le pandou. Dans le pandou, si l'élève ne comprend pas le français, il ne peut pas comprendre le pandou. C'est la raison pour laquelle je suis obligé de faire doucement par rapport à cette définition. Un pandoum, c'est un poème composé de quatre quatrains, constitué de telle sorte que le deuxième vers et le quatrième vers de la première strophe deviennent respectivement le premier vers et le troisième vers de la strophe suivante et ainsi de suite. Là, ça pose problème. Par exemple, au niveau du premier quatrain, on a dit le deuxième vers, par exemple. Vous avez Alim, par exemple. Le quatrième vers, vous avez Nabou, par exemple. Maintenant, au niveau de la strophe suivante, alors ici, qu'est-ce que ça sous-entend? Le deuxième vers devient le premier vers. Alim devient ici, en première position. Maintenant, ici, vous avez ce qu'on appelle Fatou ou bien Nabou. Nabou devient ce qu'on appelle le troisième vers. Autrement dit, le deuxième vers et le quatrième vers sont souvent répétés au niveau de la strophe suivante. Le deuxième occupe la première place, le quatrième occupe la troisième place. Maintenant, ici, on aura un deuxième vers, là, on aura ce qu'on appelle le quatrième. Maintenant, au niveau de l'autre strophe, qu'est-ce que vous aurez? Le deuxième vers devient le vers numéro 1, le quatrième vers devient le vers numéro 3. Maintenant, ici, au niveau du quatrième quatrain, qu'est-ce que ça se donne? Le deuxième vers du troisième quatrain devient le premier vers du quatrième quatrain, le quatrième vers du troisième quatrain devient ce qu'on appelle le troisième vers du quatrième quatrain. C'est ça qu'on appelle le pandoum, comme l'harmonie du soir de M. Charles de Bordel. J'ai dit, qu'est-ce qu'un pandoum? C'est un poème composé de quatre quatrains, constitué de telle sorte que le deuxième vers et le quatrième vers deviennent respectivement le premier vers et le troisième vers de la strophe suivante, et ainsi de suite. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les poèmes à formuler. Qu'est-ce qu'un poème à formuler? C'est logique. Ce sont des poèmes qui restent par les noms de la versification, c'est-à-dire des textes écrits sous forme de prose ou bien des textes écrits sous forme de vers libres. Par exemple, si vous prenez des poèmes écrits sous forme de prose, le désir de plaindre de M. Charles de Baudelaire. Là, on n'a pas respecté les règles de la versification. Maintenant, si vous avez des poèmes écrits sous forme de vers libres, vous prenez Jean de M. Léopold Sédar Senghor ou New Destiny du même auteur. Donc, en grosso modo, c'est ce qu'il fallait démontrer aujourd'hui. Encore une fois, si on dit les formes, les procédés rythmiques, on a ce qu'on appelle ces trois. Nous avons l'assonance et l'allitération. Un petit rappel, on ne peut pas avoir de logique ni de contre-logique. Moins un enchaînement si les vers ne sont pas successifs. Mais l'assonance et l'allitération, on n'a pas besoin d'avoir des vers parce qu'un seul vers peut sortir les deux dont je vous ai décidé. Après ça, nous avons des poèmes à forme fixe. Qu'est-ce qu'un poème à forme fixe? Ce sont des poèmes, encore une fois, qui respectent les règles de la versification. Qu'est-ce qu'un poème à forme libre? Ce sont des poèmes qui ne respectent pas les règles de la versification. Parmi les poèmes à forme fixe, nous avons cinq. Premièrement, nous avons le sonnet, le poème le plus régulier, c'est les jeteurs, comme j'ai dit tantôt, un poème de 14 vers, dont 2 quatrains et 2 tercets. Vous avez deux types de sonnets. Nous avons un sonnet régulier, c'est-à-dire si les dispositions des rimes sont respectées, le premier quatrain des rimes suivies, le deuxième quatrain forcément des rimes suivies. Le sonnet irrégulier, si les dispositions ne sont pas respectées, le premier quatrain des rimes suivies présent, le deuxième quatrain des rimes croisées. Et là, c'est quand vous avez le rondo. Qu'est-ce qu'un rondo? C'est une forme brève de 8 ou 13 vers. Qu'est-ce que c'est rondo? C'est un poème lyrique. Qu'est-ce qu'un poème lyrique? C'est-à-dire un poème marqué par la présence de la première personne. Alors, diviser en strophes semblables entre elles. Si la première strophe fait un quatrain, toutes les autres strophes feront des quatrains. Si le premier vers compte deux syllabes, tous les vers compteront deux syllabes. C'est comme le cas de Demain de M. Victor Hugo ou bien Tristesse d'Alphée de Lycée. Maintenant, qu'est-ce que c'est le balade? Le balade, c'est un poème de trois strophes, c'est-à-dire des huitains ou bien des douzains.
Qu'est-ce qu'on retient une sorte de vers? Qu'est-ce qu'on dosait une sorte de poussin? Maintenant, A, chaque sorte est suivie par un refrain et un demi-vers marqué par un envoi. Là, je serai obligé de m'arrêter là au fond de mon discours. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie de votre attention.